Alors, assalamu alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rappelez-vous un peu votre nom. El Hadji Djerba Djabi, ambassadeur de la paix, président fondateur de la Fondation internationale pour la paix et assistante sociale. Ok, El Hadji Djerba Djabi, ambassadeur de la paix, vos actions se suivent sur le terrain et à travers ce que vous faites, les gens sont en train de suivre. Et le président Mamadi Doumbouya vient de vous élever parmi les officiers collatiers de l'ordre national de la République de Guinée en reconnaissance de votre œuvre pour la paix. Ouais. Quel est le sentiment qui vous anime là où vous êtes? Écoutez, merci à vous, merci à cette grande journal qui nous fait la fierté dans notre pays à travers le monde d'avoir pensé ce matin passer me voir pendant que je suis dans cette soie. Je crois que c'est une soie méritée. Et quand on voit la dimension qu'un chef de l'État, président de transition, pense à une personne, une modeste personne que je suis tellement ému, je suis tellement content. Il n'y a pas que moi qui est ému, c'est tous les Djaha, c'est tous les Guinéens et c'est tous les hommes de la paix. Et je voudrais ici, à travers cette occasion que vous venez de me offrir ce matin, avant toute chose, je vais remercier Dieu, je remercie mes parents, à savoir ma mère et mon père, d'ailleurs que je ne connais pas trop, et je remercie mon sababou qui est aujourd'hui le colonel Mamadi Doumbouya, son excellence le président de la transition, chef de l'État, chef suprême de l'armée, et à travers lui, tous les CNRD et tous les membres du gouvernement et le peuple de Guinée. Je crois que cette distinction aujourd'hui que nous venons de bénéficier est une valeur commune pour tous les Guinéens, à savoir, il faut œuvrer pour la paix, et non seulement pour la paix, mais l'entente de tous les Guinéens et vivre ensemble de tous les Guinéens. Je suis tellement ému que le mot me manque. Je ne sais pas comment remercier les Guinéens, comment remercier le gouvernement et comment remercier colonel Mamadi Doumbouya. Car c'est une reconnaissance des mérites que nous avons fait depuis une longue année. Nous avons travaillé à rase-pied sans aucun recul, car j'aime mon pays, j'aime la Guinée, j'aime la paix dans mon pays. C'est ma vocation, c'est mon travail et c'est mon vœu le plus cher. Je ne veux pas que ce pays soit exilé un jour. Je ne veux pas que les enfants guinéens puissent vivre en dehors de la Guinée en disant nous voulons notre pays, nous voulons rentrer dans notre pays, mais nous n'avons pas le moyen comment rentrer dans notre pays. Monsieur, vous savez que El Hadji Djerba Djabi, il n'y a pas ce que les gens n'ont pas dit. Il n'y a pas ce que les gens n'ont pas prêté comme tension sur ce que je fais. Mais puisque j'ai aimé ce que je fais, quelle qu'en soit la situation difficile, j'ai toujours tenu bon. Cela veut dire que je conseille à tous les Guinéens, à tous les téléspectateurs qui vont voir cette image, quand on a quelque chose dans la main, il n'y a pas sous-métier. Il n'y a pas sous-métier. Tout ce que vous avez dans votre main, donnez-la le valeur. Restez et continuez et collez, soudez sur ce que vous faites. C'est ce qui m'a arrivé aujourd'hui à être là où je suis. Si j'étais quelqu'un qui pouvait abandonner, j'allais abandonner depuis très longtemps. Car je évolue seul, sans aucun aide, ni financière, ni même moraux. Parce que je crois qu'aujourd'hui, je me sens fier, je me sens renforcé à travers cet grand acte. Mais nous n'avons pas dans le temps, nous avons beaucoup fait, j'ai beaucoup fait, je me bats toute seule. Avec mon entourage, personne ne nous dit parfois même merci. Et on se dit cette grande merci des peuples de Guinée, car si le président de la République a signé ce décret, il a signé à son nom, au nom de son pays. Donc cela est plus que d'être nommé comme ministre
ou directeur ou premier ministre, vous pouvez partir du gouvernement, mais cet honneur, vous resterez. La raison pour laquelle j'ai toujours dit que je préfère je préfère souvent avoir le honneur que le bonheur. L'honneur que le malheur, bonheur. Alors ça a été toujours mon vocation. Je ne suis pas là pour compter et calculer comme les politiciens calculent, comme les commerçants calculent, mais je suis là pour se mettre au service de mon pays. On se dit, je dis merci, grand merci au colonel Mamadi Doumbouya. Hélas, vous avez beaucoup fait et on sait que nous sommes dans une période sensible, la transition. On sait que auparavant vous avez beaucoup fait. Selon vous, ça reste encore à faire. Vous savez, c'est comme si nous n'avons rien fait d'abord. Tant qu'on vit, on doit continuer à travailler. Mais surtout, comme vous le savez, nous sommes dans un pays, la Guinée. La Guinée est un pays difficile. La Guinée est un pays vraiment qui est habitué à ses problèmes. Les Guinéens, ce sont de grandes personnes, ce sont des personnes qui sont souvent, si vous voulez, en Afrique, nous avons une réputation. C'est important. Donc, quand on voit tout ce qui nous reste à faire, c'est comme si nous n'avons encore rien fait. Parce que nous sommes imprévisibles. Guinéen est imprévisible. Ce n'est pas ce que nous voyons qui se passe demain. Mais je vous rassure que cette médaille me renforce de plus. Je l'ai fait durant des années en dehors de mon pays. Désormais, j'ai choisi mon pays, la Guinée, pour faire ce que j'ai fait à l'extérieur. Aujourd'hui, nous voyons le fruit de ce que nous avons fait pendant 10 ans. Et Dieu merci, la population était vraiment adorante avec ce que nous faisons. Aujourd'hui, c'est l'État qui nous reconnaît. Nous allons continuer à se battre. Il faut que les Guinéens sachent que cette transition, elle est importante. Cette transition mérite d'être aidée. Cette transition, chaque Guinéen doit tout faire pour sauver la transition. Ce n'est pas pour sauver colonel Mamadi Doumbouya, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas pour sauver CNRD, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas pour sauver le gouvernement, je l'ai toujours dit. Mais vous savez, mes chers frères, la transition veut dire « je viens, j'arrange, je passe ». La transition, on a commencé à faire des transitions, c'est à partir de 1990. Sinon, avant, il n'y avait pas de transition. Quand on fait le coup d'État, vous venez, vous vous installez, il n'y avait pas de la démocratie, il n'y avait pas contre le pouvoir. Vous êtes là, vous allez faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, sans aucun problème. Mais à partir du moment où la démocratie est venue, on dit désormais le multipartisme. Les militaires n'ont pas droit de garder le pouvoir si ce n'est pas par la voix du peuple. Mais lorsqu'il y a une force de majeur, quand il y a un cas comme celle que nous avons connue dans notre pays, pour sauver le pays, le chaos, la guerre civile, nos forces de défense et de sécurité ont pris la décision pour sauver la nation guinéenne. Il a été salué par tous et nous l'avons dit. Nous l'avons connu comme par le passé. Les Guinéens sont des personnes, malheureusement c'est un peuple, c'est des peuples qui applaudissent et quelques mois après, ce sont eux qui sortent encore pour dire non, nous ne voulons pas de vous. Mais ce que je vais dire à mon peuple, celle de la Guinée, je vais vous dire ceci. Oui, nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons, d'où nous venons et qu'est-ce qu'il nous reste à faire comme tracé. Il est tellement important que nous nous réussissons. La politique ne doit pas nous diviser. Hier, si la Guinée était divisée, mais on se dit, il y a des barrières, il y a même des murs qui sont des bétons qui sont mis, on se dit, entre les Guinéens. C'est regrettable, c'est vraiment déplorable pour un peuple uni, pour un peuple qui a pris l'indépendance sans verser le sang, pour un peuple où nous ne connaissons pas Peul, Malinké, Soso, forestiers dans notre pays. Nous avons eu dans ce pays des ministres ghanéens, des ministres béninois, des ministres sud-africains. Le temps, le premier régime, nous avons connu tout cela.
et nous avons notre monnaie qui comportait presque toutes les identités africaines. Ce n'était pas le diplôme qui comptait, mais c'était quoi? C'était l'ambition et l'amour des patries. C'est ce qui comptait dans notre pays. Et par la suite, on s'est dit, après la BOL, lorsque François Mitterrand a pris la décision pour dire, voilà, si vous n'avez pas la démocratie dans votre pays, vous n'aurez pas de l'aide. Et il y a eu cette affaire de transition qui est venue. Et moi, je n'étais pas étranger là-dedans. J'étais quelque part où cette décision a été prise, bien que j'étais très jeune à l'époque. Alors, si nous sommes arrivés à cette transition-là, il y a beaucoup de pays qui ont connu des soubresauts. Mais à partir de là, nous disons que voilà, chaque personne a son idée. Il se dit, voilà, on est de ça dans la liberté. On peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, on peut insulter, on peut casser, on peut brûler. Mais qui est perdant? Qui est perdant? C'est le peuple qui est perdant. Car les politiciens, et ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils veulent. Et ils sont là pour partager leur gâteau. Le peuple n'est pas là pour partager ce gâteau-là. Quand ils ont leur course gagnée, ils s'oublient. Il ne vous reconnaît plus, il ne vous regarde plus, il ne peut plus venir vers vous. C'est ce que les Guinéens oublient. Sinon, depuis 10 ans, ou voire même 15 ans, les Guinéens luttent. On a lutté, on a eu combien de personnalités, combien de ministres, combien de premiers ministres, même combien de personnes qui sont passées. Vous qui avez lutté pour ces gens-là, est-ce que vous avez été tous heureux? Est-ce que vous avez été, il y a certains qui sont même morts sans voir leur tchelander à prendre le pouvoir. Donc nous devons penser à ça. Et quand on meurt, les Guinéens oublient ça. Dieu va vous demander chacun ce que vous avez fait dans votre vie. Dieu va vous demander dans votre tombe. Est-ce que vous avez poussé les gens à faire le fitna? Est-ce que vous avez poussé les gens à tuer les enfants des autres? Est-ce que vous avez poussé les gens à aller brûler les magasins des autres? Est-ce que vous avez poussé les gens à aller barricader, faire du mal à vos prochains? Dieu vous posera la question. Et vous ne pouvez pas traverser la question de Dieu comme nous, on se traverse ici en faisant ce qu'on dit, ce qu'on veut. Donc, il faut que nous sachions que nous avons tous des comptes à rendre. Et à partir de là, je voulais dire à mes frères et sœurs guinéens, il faut aller vers le dialogue. Tout se règle vers le dialogue. L'homme le plus fort, c'est celui qui accepte de dialoguer. Quand on regarde la guerre qui se passe en ce moment en Occident, entre la Russie et le pays, l'Ukraine, malgré qu'il y a la guerre, mais nous avons vu le président Bissau-Guinée qui a été reçu par Poutine. Et il a quitté là-bas, il est allé à Ukraine. Il a été reçu par le président ukrainien. Pourquoi Poutine ne l'a pas dit? Je ne m'entends pas avec lui, ne parle pas vers lui parce que c'est mon ennemi. Et pourquoi celui de l'Ukraine aussi accepté qu'il vienne dans son pays malgré la guerre, la personne qui l'a agressé, la personne qui l'a tué là-bas, mais la personne a quitté là-bas pour aller à l'Ukraine. Pourquoi il n'a pas dit non, tu ne peux pas venir chez moi parce que tu viens de chez mon ennemi? C'est ça le jeu politique. Mais nous ici, notre problème, quand on sait que tu es avec Ba, on dit non, lui il est avec Ba. Tu es avec Souma, on dit lui il est avec Souma. Tu es avec Bangoura, on dit non il est avec Bangoura. Tu es avec Doumbouya, on dit... Mais si on n'est pas avec quelqu'un, on va rester comment? Obligatoire qu'on doit rester avec quelqu'un, on doit être avec quelqu'un. Malheureusement, c'est ça la Guinée. Nous ne voyons pas le jeu politique. Le jeu politique, c'est le dribble dans le terrain. C'est lui qui sait bien dribbler, c'est lui qui passe. Alors, il faut accepter à dialoguer. Car quand on dialogue, on a chacun à son preuve, chacun vient avec son raisonnement. Hein? C'est carrément d'idées contre idées. Je ne pense pas que s'il faut imposer carrément, voilà, moi ce que je veux, c'est ce qui doit se faire. Non, le dialogue ce n'est pas ça. La raison pour laquelle j'implore Allah, j'implore mes parents, pour que les Guinéens comprennent que c'est le seul dialogue qui peut sortir notre pays dans cette marasme politique, économique qui n'a duré que trop.
Nous avons vu le temps de Ebola, nous avons vu le temps de coronavirus, nous avons vu toutes les manifestations qui sont passées dans notre pays. Il n'a jamais eu 3 mois d'acclamer dans notre pays sans problème, sans violence, sans que un sang humain soit versé. Nos enfants, nos sœurs, nos mamans qui souffrent tous les jours, voient tous les jours leurs enfants tombent. Qui a la faute? C'est tous les Guinéens. Nous devons nous regarder l'un et l'autre en face. Vous ne pouvez pas dire que c'est moi qui ai la faute. Je ne vous dirai pas que c'est vous qui avez la faute. Vous avez la faute, j'ai la faute. Nous avons tous notre faute. Il faut que nous sensions cette ambiguïté. Il faut que nous sensions notre mentalité. Nous devons aimer notre pays. Nous devons vivre dans notre pays. Nous ne pouvons pas vivre comme un étranger. Il faut que nous nous regardons face à face pour dire que nous sommes les seuls et uniques responsables de tout ce qui se passe dans notre pays. Si nous voulons dialoguer, si nous voulons nous réconcilier, ce n'est pas seulement entre la politique et la politique. Si avant c'était la politique et la politique, aujourd'hui le problème guinéen dépasse cette frontière-là. Aujourd'hui, c'est tout le peuple de Guinée qui doit se pardonner parce que nous avons tous des problèmes entre nous. On ne peut pas aller dans une village, plus de 100 personnes, que les gens-là vivent en paix. La situation est dramatique partout en Guinée. Nous sommes tous divisés. Et nous sommes tous aujourd'hui devenus haineux contre l'un et l'autre. Rien, on n'a rien fait de l'autre. Tu n'as rien fait, tu ne me connais même pas, je ne te connais même pas. En sortant seulement dans la rue, je suis fâché contre toi. Je ne connais pas, tu es Ba, je ne sais pas si tu es Silla, je ne sais pas si tu es Makano, Kamano, je ne sais pas que tu es Diaby, je ne sais pas. Mais on s'énerve comme ça. Le Satan, subhanallah ta'ala, le Satan qui est dans notre pays aujourd'hui, que Dieu l'éloigne de nous, que Dieu l'éloigne de nous. Franchement, il est en train de nous embloquer dans cette situation que nous devons faire attention. Nous devons vivre en paix et cette paix-là, je le demande, je demande bon Dieu, je vous demande, je veux que la paix soit avec tout chacun de nous. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci Elad. Merci. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon.